pense que bi en objectif mais victoire de bon ala rew no ya ambulu match ni match dam ne galera mais au fur et à mesure on me gado match kono ala gasike do bila dans ma bido j'espère que un objectif final faut le gagner quoi ne bolo dans un premier temps un défendement gagnant on fait en ma faut le bien encaisser donc je pense que dans l'ensemble c'était pas mal pour un début comme championnat tanga jamana la comme aurait ba kala matugo mina mais un en débris un résister après binana quoi match final au Cameroun oui amanoko oui amanoko ni bolontan na bolontan faut été munganoko mais donc comme il y a final oui deuxième finale na la sona maman djija go fina gain pour gagner qualifier. Vraiment, la première chose, c'est la solidarité qui a marché ce soir. Parce que dès à Bamako, on s'était dit qu'il faut vraiment qu'on fasse pour produire un beau football et gagner depuis dès la première rencontre. Donc Dieu merci, on a serré les coudes, on a parlé, on a mieux communiqué. Donc on a eu les premiers points de notre première sortie. Ouais, bon, déjà le second match comme le Cameroun, bon, ça se prépare déjà. Donc depuis qu'on a gagné ce match, donc directement on a tourné la page. Directement on a tourné la page, donc directement on va essayer d'entamer le match contre le Cameroun, donc pour voir... Vous faites aussi pour prendre des points contre le Cameroun. Ça n'a pas été un match facile, surtout sur le plan technique, parce qu'on a constaté que réellement il y avait énormément de pertes de balles des deux côtés. Et ça se comprend parce que vous savez, c'est le premier match. La pression est vraiment énorme. Le Burkina voulait gagner, nous aussi. Il fallait impérativement qu'on gagne ce match-là. Je pense qu'on a fait une première mi-temps très difficile. On est tombé sur une équipe qui était vraiment défensivement bien en place. On a créé beaucoup de problèmes en première mi-temps. Mais je pense que par la suite, je pense que l'équipe a commencé à produire sur le plan technique surtout, à avoir le ballon, à avoir la possession de la balle. Bon, mais c'est quand même une fois quand vous voyez qu'il faut un match gagné. Parce qu'il faut un match gagné, pourquoi? Parce qu'il y a un match folle. Donc, premier temps, on a risqué ça parce que. Donc, premier temps, il y a un match qui est là. Puis, il y a un match qui a décidé de jouer au coffre là. On a un ballon qui est là, offensivement. Mais, deuxième mi-temps, il y a un restaurant. Et on sera à Bikilé. Sinon, on sait qu'il faut attaquer un match de Romani. Mais, premier mi-temps, il y a un coach. Il y a un dame Ngombi. Non, premier mi-temps, il y a un doré. Parce que, il y a un match qui est là. Donc, c'est vrai, on a monté le terrain entre Miséga Bolon, mais à la finition niveau-là, il y a un peu parce qu'il y a un terrain passé, il fait nous tester. Et en plus de ça, on a un centre, il fait nous tenir. Bon, surtout que Mi jouera côté droit là, parce que vous Djabaté, elle était élue, quoi. C'est aller à la centre, il est à la centre de l'eau. Mais l'image là, maman est bourra là, donc je n'avais pas le choix, il fallait que nous nous enlevions à côté là. Voilà, donc, clairement, il y a un donné, parce que Miséga reste sur le coup. Au grand Magalé a donné, mais par la suite, je pense que deuxième mi-temps, en gagnant un remplacement, nous sommes surtout vraiment équilibré sur la partie de ce moment. Quand tu gagnes au Cameroun, tu gagnes. On bébé 3 points. Deuxième journée, on a eu un grand sort. On a eu le coup de la Bembaï. Il n'y a pas la tchouri. Bon, au Cameroun, on a eu un bain d'oreille. Parce que quand j'ai payé l'organisation contre la TFN Romanie, donc on a eu un match sérieusement, qui a moins bien pour gagner la Sega Bati.